L'air du temps, Didier Porte. Ah oui, je suis réveillé. Toujours avec Patrick Timsit. Et voilà, c'est le moment de retrouver Didier Porte. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai passé une semaine terrible. Quelle angoisse, hein. Cette incertitude, tous les soirs avant de m'endormir, ça tournait dans ma tête. Harlem Désir, Cambadélis, Harlem Désir. Qui Martine va-t-elle choisir ? C'est pas humain de nous faire ça. Bon, permettez-moi d'entamer cette chronique par une information relevant de l'actualité scientifique et médicale. On a peut-être trouvé un vaccin contre la dengue. En apprenant la nouvelle, Valérie Trierweiler a failli en faire un tweet. À ce propos, vous savez, Stéphane, qui déjeunait à l'Élysée hier à la table du président Hollande ? Oui. Une certaine Ségolène Royal. Elle a mis une belle veste flashy orange. J'ai vu ça dans Le Parisien aujourd'hui en France. Qui était invitée en même temps que les autres présidents de région, je vous rassure. Hein, c'était un déjeuner et tout ce qu'il y a de protocolaire. Ça n'a pas empêché les services de déminage de l'Élysée de découvrir deux pains de Semtex et un détonateur sous la chaise de Ségolène, de fortes doses de strychnine dans les chouquettes et des traces de polonium dans le chabichou. Elle lâche pas l'affaire, notre valoche, hein. Bon, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur le mauvais procès qui est fait à Bernard Arnault, ce grand industriel dont notre invité constitue le cœur de cible, comme tous ces salauds de riches qui se pavanent dans le luxe le plus éhonté et l'opulence la plus obscène, pendant que le reste de la population, dont votre serviteur, attend avec angoisse sa facture de gaz en hausse de 7% dès le mois prochain. N'est-ce pas, salopard ? Hein, c'est bon d'avoir du pognon ? Je signale à M. Timsit qu'il a un grain de caviar beluga séché qui restait collé à la commissure de sa lèvre. Voilà, voilà, juste là, c'est ça, merci. Vous le voulez ? Donc... Moi, je l'ai déjà pourquoi pas ? Donc je disais qu'on raconte partout que le patron de LVMH veut devenir belge parce qu'il n'aime pas les socialistes. C'est faux, hein. Bernard Arnault adore les socialistes et pour cause, ce sont eux qui lui ont fait cadeau de 2 milliards de francs de subventions en 1984 pour qu'il rachète le groupe Boussac en pleine déconfiture et préserve ses 16 000 emplois alors que Laurent Fabius était Premier ministre. Résultat, Bernard Arnault a viré tout le monde et conservé uniquement les deux marques propriétés de Boussac qui l'intéressaient, Dior et Le Bon Marché. Ainsi que le pognon, bien sûr, des subventions, naturellement. Bernard Arnault était un fils à papa de province, héritier d'une PME poussive et grâce aux socialistes, il est devenu la première fortune de France. On ne voit pas pourquoi il ne les aimerait pas. Alors que va-t-il faire en Belgique, me direz-vous ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aime les chocolats Léonidas, cet homme. Hein. On a beau être milliardaire. On les trouve à Paris. Hein. On a le droit d'avoir ses petites faiblesses. Non, il veut peut-être racheter la boîte. Bon, ce qui est certain, c'est que ces gens-là ne sont pas sectaires. Bernard Arnault a beau s'être enrichi grâce aux socialistes, ça ne l'a pas empêché de devenir par la suite, le grand ami de Nicolas Sarkozy est même le témoin de son mariage avec Cécilia. Il n'est pas sectaire. Autre exemple de grand capitaine d'industrie à s'être hissé au sommet par son seul mérite et pour le plus grand bénéfice de la collectivité, Bernard Tapie. Ce sont les socialistes qui en ont fait un ministre de la République. Ça ne l'a pas dissuadé pour autant d'accepter les 280 millions d'euros de cadeaux, de remerciements que lui a offert plus tard le président Sarkozy après qu'il ait appelé à voter pour lui en 2007. Lui non plus n'est pas sectaire. Je rappelle au passage que Bernard Tapie, en épargnant avisé qu'il est, s'est empressé de placer son petit pécule, devinez où ? En Belgique. Il semblerait que ça soit plus rentable, même quand on n'a pas la nationalité. Et nous, les contribuables français, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on applaudit dès demain parce qu'on est content. Les 280 millions de Sarko et Lagarde que Sarko et Lagarde ont offert à ce vieux nanar, ce sont les nôtres. Bah oui, c'est notre pognon. Nous sommes donc infiniment reconnaissants à Bernard Tapie de le placer de manière si avisée. Il fait fructifier notre argent. Que demande le peuple ? Personnellement, je serais bien incapable de gérer une somme pareille. Et non content de placer notre pognon comme on n'aurait jamais su le faire, Bernard Tapie pousse le perfectionnisme jusqu'à le dépenser comme on aime. Il vient d'acheter une villa à Saint-Tropez pour 47 millions d'euros, 500 mètres carrés, accès direct à la plage, cour intérieure avec jardin, piscine homologuée par Jean-François Copé. C'est exactement celle que j'aurais achetée si j'étais à sa place. Sauf que moi, je me serais sûrement fait rouler dans la farine par l'agent immobilier. Merci Bernard. Bon, merci de dépenser notre argent avec autant de talent, en plus en achetant français. Bravo. Bon, des nouvelles de Nadine Morano, ça vous ferait plaisir. Oui. Alors, elle vient de déclarer « Depuis ma défaite aux législatives, je me suis consacré à l'écriture ». Elle a appris en seulement 3 mois. C'est bien, non ? Allez, à jeudi prochain, on ne sait jamais.